Et salut tout le monde, c'est le ninja du gameplay monstre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo construction, enfin ouverture plus construction plus bah je sais pas trop pourquoi, on va regarder le magazine Lego City numéro 1 de 2019 je suppose. Voilà, et voilà, je vais essayer d'ailleurs d'acheter tous les autres, voilà. Bref, tous les anciens. Donc un magazine que j'ai acheté depuis longtemps. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Enfin depuis longtemps, depuis voilà. Quasiment un mois. Pourquoi? Parce que nous avons trois cadeaux dedans. Donc ça c'est intéressant. Voilà, franchement, pas y cracher dessus, c'est assez intéressant. Voilà. Pour 6,95€, 31 pièces, c'est juste génial. Et avec on a notre petit cadeau. Donc on a le cadeau principal du magazine, sur ce quoi le magazine un peu va poser. Sur la nouvelle gamme, en quelque sorte, Lego City des policiers. Donc c'est les policiers de l'air, c'est plutôt cool qu'ils viennent de les faire. Je trouve ça assez sympa, je compte en acheter quelques-uns, je pense. Voilà, du coup ça fait un petit avion, un petit jet, plutôt sympa avec la nouvelle tenue des policiers, ça c'est plutôt cool. D'ailleurs on a le nouveau logo en quelque sorte de Lego City. Des sets Lego City. Et là le deuxième jouet, qui est un travailleur, d'un ancien magazine, je suppose. Voilà, du coup, vous risquez de le revoir en construction sur la chaîne si j'achète ce magazine. Et enfin, dernier cadeau, c'est pour ça que je l'ai acheté, ces stickers. Donc, dedans, nous avons 5 stickers de la gamme The Lego Movie 2 à mettre dans le livret qui était exclusif avec le petit jouet, du coup, le magazine d'Emmett. Voilà, avec ses outils. Plutôt sympa d'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo sur ma chaîne. Voilà, vous pouvez aller dans la playlist magazine Lego The Lego Movie ou 2, je sais pas si j'ai mis le 2 ou pas. Voilà, du coup, voilà, donc ça c'est plutôt cool parce qu'ils sont quasiment introuvables. Voilà, donc c'est parti, on va ouvrir. Je vais mettre un mot derrière, voilà, que je veux pas faire parce que voilà, ça sert à rien. Clairement, on va ouvrir, c'est parti, et je vais bientôt, bien sûr, tout ouvrir. Hein, voilà. Je ne peux pas, je pense pas les coller parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Et je compte en acheter plein, en acheter 10 et faire une vidéo. Voilà, en acheter 10 à la fois pour les acheter. Voilà, enfin, pour les avoir toutes, pour avoir toute la collection. Et bien sûr, dès que j'aurai toute la collection, et si par exemple dans une vidéo j'atteins la collection complète, il me reste encore des stickers, je les garderai pour découvrir. Alors c'est parti, on ouvre. Donc on a le petit magazine qui est plutôt cool. Voilà la page de couverture, elle est plutôt pas mal. Voilà, il a l'air assez épais, j'ai l'impression. Ça c'est assez intéressant. On a tous les cadeaux. On va vérifier qu'il n'y a pas de truc comme dans le dernier magazine Ninjago. Non, ça a pas l'air. Il y avait un petit truc pour construire le deuxième niveau. Donc on va tout de suite commencer par ouvrir les petits stickers. Voilà. On va y aller. On remonte pas tout de suite par ça. Soyons fous. Putain, mais c'est pas possible. J'ai enfin réussi. J'ai déchiré la moitié du truc, mais je l'ai. Donc moi je garde bien sûr tout, je les garde. Mais plus qu'à. Donc on commence tout de suite avec Emmett dans le 1, voilà c'est ça, qui sont dans le pays du Far West. Donc je l'avais pas, c'est plutôt cool. On a Emmett, voilà c'est bizarre, un truc assez étrange. Voilà, que j'avais pas non plus. Nous avons Lucie qui est en train de courir, je l'avais pas non plus. On a Emmett et présent de business à la fin du 1, je crois que je l'avais pas. Et on a la carte spéciale, c'est Benny, je crois pas que je l'ai non plus. Donc ça c'est complètement Bruno qui assistait. Voilà, franchement, ça c'est plutôt cool, j'en avais aucun je crois. Emmett, je suis pas très sûr. On va tout de suite commencer du coup
par chercher la page de construction. Hein, voilà, j'ai trouvé la page de construction du jouet principal et le jouet secondaire. Je crois qu'il n'y a pas d'instruction. On va ouvrir l'instruction du deuxième. Donc là, ça spoil un petit peu la BD sur le côté, j'ai l'impression. Mais je crois que c'est une BD bonus. Je crois que c'est une BD bonus. C'est plus gros. On va commencer à ouvrir le petit sachet numéro 1. Je sais, je ouvre pas par là où normalement il faut ouvrir. Allez, on ouvre. Même si je suis un peu, il y a de la colle et tout. Donc on va faire la technique comme ça, qui est beaucoup plus simple. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. D'ailleurs, derrière, on a des trucs. Là, on a Lucy. Pour Benny, on a Batman et tout. Bon, bref, on va pas regarder, c'est pas très intéressant. Hop, on a vraiment pas mal de pièces dans ce set là. Ah, dans cette minifigue. Voilà. Des pièces que je n'avais pas encore. Que dalle comme pièce. Une. Voilà, une ou non, deux. Donc, deux, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a 14 pièces, c'est plutôt pas mal. Voilà pour même pas 1 euro de plus. Voilà, donc on va construire le personnage. Donc, jambes unies simples, voilà. Torse plutôt sympa, je crois que du coup c'est la nouvelle. On dirait que c'est des nouveaux torses, assez étrange. Mais c'est pas du tout ça. Hein. Je pense pas. Petit travailleur, voilà, c'est plutôt sympa. Dans le même style, Emmett. Je ne l'ai pas. Il est rangé, Emmett. Je ne peux pas vous le montrer. La tête, une seule face. Donc, tête assez sympa avec des lunettes oranges, plutôt cool, avec un grand sourire. On a une pièce que je n'avais pas encore. Pièce de casquette avec un casque intégré. C'est plutôt cool, voilà, ça fait un personnage plutôt sympa. On va accrocher la roue, tout, voilà, tout ça, quand on fera la petite roue là. Ah, si j'y arrive, ce qui n'est pas gagné. Je crois que la pièce a été cassée. Maintenant pour moi, elle ne l'est pas. Galère à mettre ses roues. Je crois que c'est à peu près bon. On les met à la petite brouette. La petite brouette sympa que je n'avais pas. Je n'avais pas cette pièce brouette. On met les petits blocs. Voilà. Petits blocs de trucs. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je sais pas trop. Voilà. Plutôt sympa. Tac, voilà, ça fait une petite brouette sympa. On a aussi un petit en équipement, on a une pelle, comme dans le truc des mètres en fait. Sauf qu'on a un équipement en plus. Un marteau piqueur, une pioche, exactement les mêmes équipements que mètres. Et avec, on a un balai, voilà, c'est assez sympa. D'avoir ce petit personnage, il est plutôt cool. On va lui mettre la brouette. Voilà, faudra juste du coup que maintenant, vu que j'ai des personnes. J'ai ce personnage et j'en avais déjà deux. Ça, voilà, ça fera un peu plus de monde. Il faudrait que j'achète peut-être un petit set de construction pour que ça fasse mieux. Voilà. On va ouvrir le deuxième truc, le jouet principal qui comporte 21 pièces. Ou 20, non, 27. 27. Alors, c'est peut-être 41. Non, je pense que c'est 41, c'est logique. Pas 31 pièces, je me suis trompé. Donc là, on est obligé de prendre les ciseaux pour l'ouvrir. Bien sûr, je garde bien sûr les sachets. Hein. Bien sûr, on va pas les jeter. Hein. Moi, je jette rien de manière de Lego. Je garde tout. À part éventuellement les sachets de l'intérieur, j'en garde quelques-uns. Voilà. Je garde juste quelques-uns, mais pas beaucoup. Tac, ouh, pas mal de pièces, hein, 21 pièces, ça représente pas mal. Hein. Donc alors, on a vraiment pas mal de pièces. On a deux pièces comme ça qui sont plutôt sympas. On a une pièce comme ça. On a deux pièces comme ça. Un peu des nouvelles pièces qui est plutôt sympa.
On a un casque de policier, on s'en verra après. Après, on a quelques autres pièces. Vous voyez, rien de transcendant non plus. Voilà, on a pas mal de pièces, c'est plutôt sympa. Donc, je vais vous laisser, vous, avec le mode d'emploi. Et moi, je vais construire. Donc, c'est parti. Voilà, on a cette pièce aussi qui est plutôt pas mal, qu'on ne voit pas tout le temps. Voilà, c'est plutôt sympathique. Hop, on a une pièce bleu foncé. Voilà, ça c'est plutôt sympa aussi, parce que des pièces bleu foncé, on n'en a pas toujours. Et c'est plutôt sympa pour faire des marécages, par exemple. C'est vraiment sympa. Bien sûr, je vais le garder, hein. Voilà, on va pas le détruire. Là, je suis en train de reconstruire tous mes Lego. C'est juste un truc de dingue, un temps de fou. Si vous me suivez sur Instagram, normalement vous avez vu quelques photos de Lego que j'ai déjà reconstruit, je les ai pas tous mis. Voilà. Donc voilà. De petits Lego que j'ai déjà reconstruit. Donc là, on a mis les pièces un peu, voilà, qui sont un peu en forme de glace et qu'on a vraiment pas souvent parce que je crois que c'est des nouvelles pièces. Voilà, des nouvelles pièces. Voilà, je crois qu'elles datent peut-être de fin 2018 ou début 2019. Je n'en sais rien. On a aussi une pièce assez intéressante. Les pièces de commande, celles-là, sont absolument pas nouvelles, mais elles sont sympas. Si les mettre dans le bon sens. Et c'est cool parce que c'est imprimé. J'adore moi les pièces imprimées. Franchement, parce que ça tient aux autocollants, tu peux l'enlever quoi. C'est vraiment chiant. Et en plus, si tu peux l'enlever, si tu le colles pas à un endroit, après tu peux le décoller facilement. Et ben, tu le perds. Et quand c'est perdu, c'est perdu. J'ai zappé une étape, mais c'est pas très grave. Hein, voilà, j'ai fait d'abord l'étape 7 au lieu de l'étape 6, mais c'est pas très grave. On met les petites ailes. Tac. Tac, on a mis le capot d'ailleurs. Je ne vous ai pas montré, je crois. On a mis le capot. Là, on met les petits pots d'échappement en quelque sorte. Tac, là, on met les petits gyrophares sur les ailes en quelque sorte. D'ailleurs, on a mis les petits gyrophares de chaque côté, là, bleu, enfin, vert et rouge. Voilà, c'est assez sympa. Voilà, on a construit le petit jet et le personnage. Faut le construire. Tac. Donc, personnage, jambes unies. Voilà, c'est plutôt sympa. Torse plutôt assez foncé aussi. Bleu foncé, ça c'est plutôt cool. Je crois que dans la nouvelle gamme, il y a beaucoup de pièces foncées, je crois, pas sûr. Mais voilà, le nouveau torse, plutôt sympa, je l'aime bien. Franchement, j'aime bien le nouveau torse. Des petites pochettes, des petits écussons, petites. Walkie-walkie. Je crois que c'est ça le nom. Des petites poches, assez sympa. Derrière, on a le fil. Voilà, ça c'est sympa. On a la ceinture. On a trois pochettes aussi, avec écrit police derrière. Voilà. C'est plutôt sympa. Avec la tête que j'ai déjà. Hein. Voilà, je crois. Enfin, peut-être pas, hein. Mais la tête, elle est pas exclusive, je pense. On va le retrouver dans d'autres sets, clairement. Et on met la petite visière du casque. Donc voilà. On met le personnage du coup dans son petit jet. Petit jet privé. Pas dit, En temps, il n'y a qu'une personne dedans. Tu peux mettre avec une seule personne. Oh non, tu peux en mettre une là. Voilà, bref. Petit jet assez sympa, voilà, il est plutôt sympa. On va pas y cracher dessus non plus. Voilà, pour 6, même pas 7 euros, on est vraiment gazé en Lego. Donc on va ouvrir. Donc là, on a les nouveaux. On a des nouveaux. On a quelques personnages. Voilà. Le plongeur, je crois que je l'ai. Je sais pas, non, je crois pas que c'est ce plongeur-là. On a donc on a la voleuse en haut. À côté, on a les boueurs, les pompiers, les mineurs, l'agriculteur, le plongeur, l'athlète, l'ouvrier de chantier. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Mais là, c'est les réponses. C'est les réponses. Pourquoi ils ont mis au début? Mais c'était ça, les policiers. Je sais. Là, on a ça, voilà. On a la BD. Voilà, la BD qui compte. Là. Je. Ah non, c'est Flash Info, c'est pas du tout un jeu, c'est plutôt sympa, Flash Info. Donc, ça télé quoi. La BT qui continue, qui. Voilà. Là, petite pub pour les nouveaux Lego. J'adore, voilà, j'adore
J'adore le truc, bon, génial. Et là, on a les nouveaux, quelques nouveaux sets. Je compte acheter, je pense, l'arrestation en parachute. Parce qu'on a des parachutes et je compte les tester. Ou alors, et aussi la police et le vol de diamants. Voilà. Après, les autres, ils m'intéressent un peu moins. Là, du coup, on a le mode d'emploi. On a la BD qui continue. La BD qui continue. Là, un petit jeu, je sais pas trop ce qu'il faut faire, encore un petit jeu. La BD, ouais, c'est ça. On a un bout du poster, ça c'est assez sympa. J'essaierai de le déplier, pas comme dans le magazine Ninjago que j'ai arrêté la vidéo, j'ai oublié de déplier. Ah, excusez-moi. On a un bout du poster, voilà, assez sympa, voilà. Poster qui porte sur le jouet, je pense que je mettrai plus celui-là. Voilà, poster, l'autre bout du poster. Grand poster, du grand poster, voilà. Jeu BD. La BD a l'air sympa. La BD. J'ai l'impression que le livre, le magazine est beaucoup plus gros. Je sais pas si c'est juste une impression. BD. BD. Merde. BD. J'ai pas fait des conneries. Oh, bon, BD, au moins avoir des scènes assez sympas dans la BD. J'ai vraiment hâte de la lire. Toujours pas fan de la BD. Ça, voilà, à collectionner. Attendez. Nouveau actuellement en vente. C'est quand même date de février. Hein. Ouais, bon, bref. Je pense que ça veut dire du coup qu'en fait on peut les acheter séparément les stickers. Donc ça c'est plutôt cool parce que, eh ben, comme ça, on va pouvoir collectionner. BD, fin de BD. Petit truc pour essayer de gagner ce set. J'aimerais vraiment, vraiment le gagner parce que du coup, bah, comme ça je pourrais acheter un autre set. Éventuellement Lego City. Voilà, à la place de celui-là, là, ce serait vraiment cool que je le gagne. Il y a 5 personnes qui vont le gagner. Donc, il faut remplir le petit truc. Par exemple, pour ça, il faut avoir fait tout le magazine. 15 magazines, Litu. Bah, Mickey Mouse, non. Playmobil, non. Enfin, Mickey Mouse, vas-y, si, parce que je lis les journaux de Mickey. Quand j'en trouve envie de gagner. J'aime lire, non. Lego Jurassic World, oui. Lego Ninjago, bah oui. Lego Movie, oui. Et un autre truc. Chima, Nexo Knight, ça fait beaucoup. Ah, voilà. Bref, on continue. Je vous fais avec vous, voilà. Où as-tu découvert, je coche pas, où as-tu découvert le magazine Lego City? Et on va dire que c'est un cadeau. Ou dans une publicité. Je sais pas. Je sais pas ce que je mettrais. Parce que je m'en souviens pas. As-tu lu aussi le dernier magazine Lego City? Jouer et Bauer, non, pas encore. Note l'importance pour toi des informations sur les nouveaux produits Lego City. Zéro, aucune, 10, beaucoup. Bon, on va mettre 8. On va mettre 8 parce que je vais pas tous les acheter. C'est plutôt Ninjago, donc en priorité c'est Ninjago. Donc voilà, on va dire 8. Aimerais-tu avoir le prochain numéro aussi? Ah bah oui. Combien de personnages, à part toi, de personnes. À part toi, on lit le magazine Lego City. Ben ça, j'en sais rien. Ma soeur, elle lit pas. Elle n'achète même pas de magazine Lego. À part les Ninjago, elle les lit même pas. Ma mère, non. Mon père, non. Bah, du coup, zéro. Quel univers Lego est ton préféré? On est là. Je vous laisse le dire dans les commentaires. Hein, mais. C'est une Ninjago, mais ils ont même pas mis tous les thèmes. Sérieux? Ils ont pas mis Minecraft. C'est quoi ce. Parce que tu déjà des jouets Lego City. Bah oui. Es-tu susceptible de dire des choses positives sur ce produit Lego? 0 improbable et 10 très probable. Bah 10. Voilà. Vraiment hâte, hein. C'est plutôt cool, j'ai vraiment envie de gagner, si je pourrais le gagner, mais je serais juste content, mais ça on le fera que dans 6 mois.
Parce que je l'aurais déjà acheté. Du coup, je le revendrai. Hop là, on a le premier champ joué qui est plutôt sympa. Sympathique, sympathique. 29 pièces en plus. Un truc de pompier. Et je crois qu'avec, on a ça. Je suppose qu'on a ça. Je pense. Parce que 29 pièces, une. Une pièce assez sympa. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Probablement qu'il y ait. Ouais, je pense. Bref, ça va faire beaucoup de pièces. Encore plus d'action Lego, bah, avec celui-là, mais je l'ai déjà. Celui-là, je l'ai déjà. Et l'autre, je l'ai déjà aussi. Voilà. Voilà, voilà. Et là, on a un truc, Lego City. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'il y a la date en juin, fin juin. Ok, bah, c'est pas tout pour tout de suite. D'ailleurs, entre temps, je pense que vous aurez des anciens magazines Lego City. Donc, pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, commenter, partager, activer la notification pour savoir mes vidéos. On se retrouve sûrement, vous aurez, ça se trouve, déjà une vidéo aujourd'hui, ou alors vous en aurez peut-être une. Voilà, peut-être, hein, c'est vraiment passionnant. Voilà. Vidéo construction, je pense. Ouais, je pense vidéo demain construction. Parce que je trouve que je regarde encore ce que j'ai en rab en vidéo, mais je crois que j'ai plus que des vidéos construction. Je suis pas sûr. Voilà, non. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Pensez à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour savoir mes vidéos. Vous vous abonnez à mon Instagram, il est dans la description, c'est Over Spider. Et vous abonnez à la chaîne, c'est le plus important. On se dit à la prochaine. Ciao!